François-Xavier, bonjour à toi. Salut Sylvain, salut à tous. Et on te reçoit ici avec un grand plaisir parce que tu sors chez nous La République contre la France, donc ton dernier livre, ouais. Aux éditions du Verbe Haut. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer pourquoi ce titre assez provocateur, ou c'est vraiment La République contre la France de manière littérale? En parlant de littéraire, je dois dire que c'est pas le premier titre qui m'était venu. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus imagé, un petit peu plus romanesque. Mais en y repensant et puis en relisant encore et encore le manuscrit, je me suis dit bon, il va falloir être clair et concis puisque les gens veulent être pas dans un cocon, mais ils veulent savoir très vite vers quoi on les mène. Et puis avec certains, j'en ai discuté avec certains, avec toi, et puis avec d'autres, dont Laurent qui se reconnaîtra. Et j'avais pris ce titre en me disant, allez, celui-là c'est le plus clair, le plus net, au moins on sait où on est. Et puis voilà. Et sur sa suggestion, voilà, il m'a dit non, écoute, ouais, ce titre-là me semble le plus efficace, donc privilégie celui-ci. Et je pense que les auditeurs ont compris, les lecteurs qui l'ont déjà lu et les futurs lecteurs ont compris que c'est vraiment le titre finalement qui correspond le mieux. Et au moins, on sait d'avance, même sans lire la quatrième de couverture, on sait d'avance où on est, quoi. Ça correspond tout à fait. Le sous-titre aussi intéressant, c'est La Révolution, en gros, par les contre-révolutionnaires. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette optique? Alors là, les contre-révolutionnaires, c'est une école. Multiples, diverses et variées. Ce qu'il y a de bien avec ces personnages, et ça m'est venu en les lisant, c'est que, et c'est un petit peu l'approche que j'ai eue du livre, c'est qu'ils ont un côté à la fois philosophe, ils ont un côté à la fois philosophe, ils ont un côté à la fois penseur, mais il y a aussi un aspect journalistique dans leur façon de faire. Et ce sont des vrais témoins. C'est-à-dire que, bon alors, Donoso Cortés n'est pas témoin de la chose, puisque lui, ça vient un petit peu après, donc c'est le début du 19e. Mais les autres sont témoins des événements, Burke, de Maistre, etc. Parfois même victimes, voilà, de Maistre par exemple, est victime des événements. Donc, ce qu'il y a de bien avec leur façon d'écrire, leur façon de faire, leur façon de voir les choses, c'est qu'ils ont à la fois vécu les moments et ils ont eu aussi, parce que c'est des penseurs, ils ont eu la réflexion sur les moments. Et en tant que journaliste, parce que c'est aussi la façon dont j'ai écrit la chose, c'est que j'ai écrit ça comme un récit journalistique, j'ai trouvé ça très intéressant de mélanger à la fois l'aspect philosophique, doctrinal, idéologique, et l'aspect journalistique. Et c'est d'ailleurs le plan du livre, c'est qu'on démarre un peu avant, même bien avant, puisqu'il faut rappeler les choses, bien avant la Révolution, et puis on déroule le fil jusqu'à les conséquences de la Révolution. Moi, ce que j'ai adoré dans ton livre, c'est que t'omets, pour moi en tout cas, aucun aspect, et t'omets pas non plus l'aspect spirituel. Moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé, l'aspect du sacrifice, etc. Qu'est-ce qui t'a marqué, et pourquoi t'as voulu faire un chapitre sur cette pratique sacrificielle? Alors, on est en France, donc j'apprendrai rien aux lecteurs et aux auditeurs. Il suffit d'aller dans n'importe quel village pour voir qu'il y a quand même un bâtiment particulier dans chaque village de France. Donc l'aspect religieux, il est évident. Normalement, il saute aux yeux. Et passer à côté de ça, ça me semble une gageure incroyable. Alors l'aspect religieux, bon, la première des choses, c'est en m'intéressant à l'époque. Donc au 18e, et à la suite bien sûr, mais au 18e, là on est vraiment dans les conséquences du protestantisme, des déchirements religieux qui ont eu lieu les siècles précédents, et on arrive avec différentes, pas des écoles, mais avec différentes façons d'aborder l'aspect religieux en France, ou le fait religieux en France, avec le jansénisme, avec les jésuites, etc. Des choses bougent énormément. Et le christianisme français, le catholicisme français n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il doit se montrer beaucoup plus doctrinaire, beaucoup plus dur, beaucoup plus ferme. C'est d'ailleurs même une des citations, je ne sais plus de qui, je crois que c'est de Maistre, mais peut-être que je dis une bêtise, ou alors c'est Bonald, je ne sais plus, c'est l'un ou l'autre, qui dit que jusqu'à présent, le christianisme n'avait jamais rien écrit quant aux lois. On l'y a forcé. C'est-à-dire que c'est les choses, c'est les événements et c'est ses ennemis, entre guillemets, qui ont dû le forcer à s'affirmer. Et donc, à passer à côté de l'aspect religieux, oui, ça allait de soi. Et d'autant plus que, et ça, d'autres l'ont développé, toi par exemple, ou comme Pierre Hillard, ou même d'autres, ont développé l'idée que
le sacrifice du roi est très très important et tout ça n'a rien d'un simple fait historique. C'est un fait religieux, c'est un fait presque mythologique, puisque c'est la naissance d'une nouvelle mythologie, c'est la naissance de la mythologie républicaine. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la construction du livre? Alors tu traces vraiment une ligne qui se lit, c'est quasiment un roman en fait, c'est quasiment un roman historique. Moi je l'ai relu en livre, et c'est comme ça que je l'ai relu. Et où t'es quelques siècles avant la Révolution, et puis les choses s'enchaînent, c'est comme s'il y avait une force qui prenait la peau de différents mouvements, mais il y a une continuité qui arrive jusqu'à la Révolution. Comment est-ce que tu as construit ton livre? Alors, c'est parti d'une enluminure qui est dans le livre. Vous la verrez, elle est au tout début, pour la première partie. C'est l'enluminure qui revient sur la fameuse trifonctionnalité du Mésile, laboratores, oratores, etc. Et ce que ça m'a tout de suite marqué, c'est le fait qu'il y a effectivement une continuité pendant la période médiévale, on va dire une période, et c'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on la traite historiquement, une période assez stable, je mets des gros guillemets, hein. Mais disons une période qui a une forme de cohérence. Et soudainement, la Révolution française, et on le voit encore, c'est très actuel, puisqu'on n'en est pas revenu finalement, hein, ça fait quand même plus de 230 ans, on n'en est pas revenu, avec la Révolution française, se passe quelque chose qui bouleverse tout. C'est vraiment un chamboulement, c'est un tremblement de terre pour tout. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Et plus je travaillais sur le sujet, plus je m'intéressais aux auteurs, plus je m'intéressais aux événements, plus je voyais qu'il y avait effectivement, comme tu l'as dit, une force qui traversait finalement les hommes, qui traversait le temps, et qui effectivement, on était bien dans un bouleversement total, mais total. À tel point qu'arrivé à la dernière partie, j'en viens aux conséquences de la Révolution française, et puis à ce qui se passe, au feu finalement, sinon on peut voir ça comme un feu qui se déroule, au feu qui embrasse toute l'Europe, et qui va finalement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est même une des thèses d'un autre auteur que je cite dans le livre, qui explique bien que finalement la Seconde Guerre mondiale, c'est une des conséquences directes de la proposition de nouveau contrat social apporté par les Français à ce qu'on appelait avant le Saint-Empire romain germanique, et qui n'est plus le Saint-Empire romain germanique après Napoléon. En lisant le livre, ça paraît vraiment clair. Il y a une ligne, un fil conducteur qui dépasse les hommes et qui a un aspect idéologique mais aussi religieux. Une dernière chose sur ton livre, je pense qu'il doit être lu maintenant pour comprendre le monde actuel. Est-ce que tu l'as pensé également comme ça ou c'est quelque chose qui, en relisant ton texte, tu t'es dit, bah, en fait, il faut sortir ce livre maintenant pour qu'on puisse comprendre dans quelle époque on est? Au début, non, parce que je faisais une espèce de travail à la fois historique, si on peut dire, même si je ne suis pas historien. Mais après tout, Jacques Bainville ne l'était pas non plus. Il y avait un aspect historique, il y avait un aspect, oui, romanesque, c'est vrai, je suis très attaché à ça, c'est mon style aussi. Mais plus j'avançais, plus je creusais sur les questions notamment religieuses, la question de la laïcité, la question de l'identité, plus je me disais, mais en fait. Je suis en plein en 2022. Enfin, je suis dans les années 2020. Il n'y a pas de problème. Et à la fin du livre, là, oui, en mettant les mots de conclusion, je me suis dit bon, ce livre est plus qu'actuel. On est bien dans les années 2020 avec tout ça, puisque finalement, comme je l'ai dit, énormément de choses explosent à ce moment-là et on n'en est pas revenu et on n'en est pas soigné, si je puis dire. Et à une époque où on parle de beaucoup d'identité, de grands remplacements. Et le fait religieux est partout, même là où on ne le supposerait pas. Il est évident que lire ce livre et relire ses auteurs me semble absolument essentiel. Et même le wokisme, on pourrait dire que c'est Même le presque. wokisme, oui, bien sûr. Même le wokisme qui est cette espèce de boomerang idéologique français, américain, puis revenu en France, enfin revenu en Europe. Là, on en est vraiment, on en y est, quoi. Quant à la culpabilité, quant au fait que on a affaire à des nouveaux moralisateurs. Là, on est juste, pour faire un petit point d'actu, on est juste après la fameuse affaire Quatennens. Rien à voir, vous me direz-vous. Oui, c'est vrai, oui, rien à voir. Et pourtant, quand on regarde bien, je trouve quand même hallucinant de voir les nouveaux moralisateurs et les nouveaux Torquemada de l'époque nous donner des leçons de morale quant à comment il faut se comporter, comment faut être, comment un Européen doit se comporter en Europe, hein, grosso modo, et comment il faut être dans le privé, etc. Et voir qu'ils sont pris la main dans le sac, et de l'autre côté, d'avoir aussi des gens qui sont très anti-woke et qui redeviennent très vite puritains dès lors où un ennemi politique est pris justement la main dans le sac. Et ben, je crois que cette.
L'époque chrétienne, l'époque très chrétienne et très catholique qu'on avait durant l'Ancien Régime était sans doute beaucoup moins puritaine que celle dans laquelle on est maintenant. Donc à nouveau, je pense qu'il est sain de relire ces auteurs-là. C'est une synthèse en fait. Finalement, tu proposes une si vous voulez lire un livre d'histoire qui est bien écrit, vous avez la pensée des contre-révolutionnaires, vous en avez, c'est un peu toujours les mêmes, il y en a au moins 5 ou 6, qui retracent vraiment toute cette histoire. Une belle plume, un beau livre, hein, parce qu'il y a des enluminures qui sont, il y en a 6, je crois, qui sont retranscrits dans le livre. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre de François-Xavier Consoli. Vous le trouvez chez le libraire près de chez vous, dans les FNAC, vous le trouvez absolument partout. Et FX, on te retrouve pour des conférences, des émissions, des médias, pas mal de choses à venir. Je te remercie encore pour l'écriture du livre Merci et je te dis à Sylvain. bientôt. À bientôt.